la femme banana. C'est pas vrai. T'as menti. Squeezie, il est en même temps que nous à LA. On allait à 5h du mat. Ouais. Hier on est arrivé à 17h en avion, on a pris la voiture et tout, c'était un peu chiant, on savait pas comment la démarrer. Au fait, regardez notre voiture, elle est hyper longue et même pas haute. Par contre l'intérieur est grave grand. On s'est garé pour aller voir le Hollywood sign, bon il est tout là-bas, mais regardez, c'est trop beau. Là-bas il y a la grosse pollution. Là il y a l'observatoire de La La Land. Et là, c'est le signe Hollywood. Et on a fait une rando pour aller sur les lettres, sauf que finalement, on n'est pas du tout allé sur les lettres. C'était pas du tout le bon chemin à prendre, donc on a juste fait une rando. Là, on est en train de monter la pente jusqu'à Hollywood Sign. Il fait un peu chaud. Dites coucou. Coucou. Ça va. Ça va les followers. On est descendu de Hollywood Sign et on est allé manger à Shake Shack et maintenant c'est parti pour le début du Walk of Fame. C'est parti. Slay. À Santa Monica, à la plage quoi. Ah, ça donne. Ça donne. Ça donne. Vraiment. Bah oui, One Life, je veux goûter le Pacifique. Après, tu vas être frigorifié quoi. Ouais, mais genre One Life en Californie. Hein. Ouais. Moi, je vais. On va aller se baigner avec Adil. Ils font un TikTok. La maladie. Et voici comment se termine notre première journée en Californie, dans le Pacifique. C'était trop trop bien. On va où aujourd'hui? On va à Universal Studio. Ça part. Claire, on va où? Parce qu'il n'était pas très en train. On va à Universal Studio quoi. Il y a de l'émotion, mais je... Claire quoi. Vas-y, on va où aujourd'hui? On va à Universal Studio en fait. Oui. On est en train de manger des corn dogs et on se repose parce qu'on n'en peut plus. Waouh, c'est bon. Déjà, je vais résumer la journée. Oui, voilà. Mais je voulais dire ce qu'on avait fait ce matin, quoi. Ce matin, ce qui s'est passé, il y en a qui sont levés à 3h30, genre un peu malade. Enfin, tu peux dire ça avec la cloche. Et ensuite, vous êtes levés. La démence, enfin la folie. La grasse matin. Les gars, est clair, vu qu'on est des personnes saines, on a dormi longtemps. La fameuse personne saine. Bon, en tout cas, c'est quand on est à l'Universal Studio qu'on a pris la voiture, donc on a roulé sur une magnifique route de Los Angeles. C'était trop. On est à Universal Studio. Ensuite, comme on a pris le truc avec des fast-pass, oh, c'est incroyable. On a fait Transformers, Jurassic Park. Et Jurassic Park en genre 20 minutes, du bout à bout quoi. Et on a commencé d'abord par Mario, le monde de Mario, et ça c'était vraiment mais insane. Trop bien. J'étais vengé. Là on va aller faire le petit studio tour dans le train-train. Après je sais pas, on va voir Harry Potter et tout quoi. T'as dit quoi? J'ai cru que tu seras vivante pour t'envoyer. Oui, je suis vivante en fait. T'es littéralement dead. Dans le fameux train qui nous emmène faire un tour dans les studios, on a vu plein de trucs, dont une expérience 3D avec les dinosaures ainsi que Fast and Furious, où on faisait une course avec Vin Diesel. On a vu des voitures de différents films comme Retour vers le futur, Get Out, Harry Potter. Ensuite, on a fait un tour dans le film Les Dents de la Mer avec un requin qui nous fonce dessus. Et pour finir, on est passé dans plein de décors de ville comme Wisteria Lane, The Good Place, des décors du Far West, etc. Oh. On vient de faire le truc des Simpsons. Est-ce que vous avez bien aimé l'attraction là? J'étais entre deux vomitos donc voilà quoi. C'est littéralement la pire attraction de toute ma vie, ça ne s'arrêtait jamais. C'était horrible. Bon, t'as bien aimé? Ah, c'était génial, c'est vraiment l'une des meilleures attractions que j'ai fait pour en vrai, j'ai grave fait. Attendez, on fait le B-Reel. On a fini par visiter l'univers de Harry Potter, c'était vraiment trop bien. Après, il faut savoir que c'est une expérience basée sur la 3D, donc allez-y en sachant que le mal des transports est pas trop bien le bienvenu ici. Mais on a eu tellement de chance de voir tout ça, c'était vraiment une journée incroyable. C'est la journée Barbie. Wouh, wouh, wouh.
outfit check quoi, les chaussettes roses, le slip rose, quoi. Etc. Ensuite regardez-moi ça, incroyable et ouais. Belle quoi. Merci. Regardez les Babybel vegan. C'est parti quoi. Mmh. C'est vraiment la marque Babybel, ce qui est genre exceptionnel. Ouais. Bon, attendez, on divise par deux non? Du petit Louis. Girl dinner. C'est un goût de vide hein. Ouais, de plastique quoi. Tiens. C'est un goût de rien. Ouais. Genre j'ai croqué dans du plastique compact quoi. J'ai croqué dans du rien quoi. Ouais. J'ai rien mangé là. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est genre rien. On est à l'expo Barbie. Et voilà, merci d'avoir regardé ce vlog, ce premier vlog que je poste des USA. C'était vraiment un des meilleurs voyages. Enfin, regardez-moi ces paysages, on a vu Los Angeles, Malibu, Universal et plein de trucs que je vais vous montrer après, mais c'était vraiment mais incroyable quoi. Profitez bien de la vue. Bisous, à plus.